Magali Lagrange. Et Amélie Tullet pour le journal Afrique. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été élu cette nuit président de l'UDPS par les militants de son parti. Il mènera donc l'UDPS, parti d'opposition, aux élections prévues en décembre prochain. Parmi ces élections très attendues, c'est la présidentielle bien sûr. Et si cette présidentielle avait lieu aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui l'emporterait. C'est ce que nous apprend un sondage publié hier, une enquête d'opinion qui révèle une profonde défiance des Congolais vis-à-vis du pouvoir. Présidentielle qui, si elle avait lieu aujourd'hui, serait remporté par un opposant au régime de Joseph Kabila. C'est ce que nous apprend un sondage du bureau Bercy et du groupe d'études sur le Congo. Et ce vainqueur de l'opposition, s'il se présentait sans obstacle juridique, serait Moïse Katumbi. Pour arriver à cette conclusion, Sonia Rollet, plusieurs milliers de personnes ont été interrogées dans 25 des 26 provinces congolaises. Une enquête qui montre aussi le fossé entre population et autorité. Plus de 95% des personnes interrogées disent s'être enrôlées et vouloir voter, et pourtant la commission électorale chargée de ces scrutins a perdu la confiance de 69% d'entre eux qui ne la croient plus capable de mener un processus électoral libre, juste et transparent. C'est son plus bas score depuis février 2017. Même chose pour son président Corneille Nanga, avec 72% d'opinions défavorables. Mais cette dégringolade dans les sondages concerne toutes les personnes perçues comme liées à Joseph Kabila ou à la majorité, le chef de l'État en tête. 80% d'opinions défavorable, c'est son pire sondage depuis son arrivée au pouvoir en 2001. Bruno Tshibala, son premier ministre, 70% d'opinions défavorables également. Et si le vote se déroulait aujourd'hui, n'importe quelle personnalité de la majorité se retrouverait créditée d'à peine 17% des voix. Inversement, c'est l'opposition qui tire ses marrons du feu. La personne la plus populaire selon ce sondage reste Moïse Katumbi, même s'il passe de 34% d'intention de vote l'an dernier à 24% cette année. Or, c'est aujourd'hui l'un des candidats déclarés à être le plus visé par des procédures judiciaires qui pourrait le rendre inéligible. 24% d'intention de vote, 7 points de plus que le candidat de la majorité avec les 3% de marge d'erreur. Ce n'est pas une avance si large et le vote de l'opposition reste morcelé. Un seul autre candidat de l'opposition obtiendrait plus de 10%, 13% d'intention de vote pour Félix Tshisekedi.